Je les ai découverts ce matin. Et c'est quand même bien agréable de voir les artisans et les commerçants d'Auvergne. Les travaux commencent bien et ça va faire une jolie ville. Il faut quand même conserver le beau côté de Provençal. Moi, je trouve que c'est bien pour les commerçants. Ça montre qu'ils sont toujours là. Malgré les travaux et qu'il ne faut pas les oublier. Il y a deux jours, on a découvert les affiches avec nos têtes. C'est assez surprenant de nous voir placardés sur les grilles et races des travaux. Mais bon, c'est aussi assez sympathique de se voir dans cette situation-là. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça cache le vis-à-vis par rapport aux travaux et ça permet une visibilité sur les commerçants et ça ne les prive pas des touristes. Ça s'est amélioré, ça a changé quand même. Hein. Et puis bon, les commerçants, il faut quand même qu'ils s'en sortent, quoi. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Bien sûr, je les connais, mais pas tous, donc j'irai les visiter. C'est pas un exercice courant, mais au moins on apprécie effectivement de participer à la valorisation de son commerce de cette manière. Ça nous permet de découvrir des lieux, des sites, des commerces. Voilà, moi j'ai découvert un restaurant, je ne serais pas passé devant grâce aux panneaux qui sont un petit peu plus loin. C'est rigolo de se voir. Ça nous permet d'être visible et que les gens voient qu'on reste ouvert en fait. C'est un peu bruyant mais on fait avec, ça va être beau après. On a toujours une réticence à se faire photographier et là, c'est sans hésitation parce que j'ai trouvé que c'était une belle idée de communiquer directement et surtout avec des visages, de communiquer de façon humaine parce que Auvergne, c'est quand même un petit village, donc se dire que les gens vont nous reconnaître et du coup, ça dédramatise ce chantier. J'en pense que s'ils les font, les travaux, c'est pour améliorer la ville, hein, pour rendre la ville plus accueillante, plus... Ça va être très très beau après et il faut juste patienter, voilà.